en fait de la qualité. Ah, quelle musique! Ça, c'est-tu pas beau? Ah ouais, mon petit pédale, fais-nous chanter ce boss-là. Ah, moi avec. C'est un moteur-là, c'est un trans. Je vais texter tantôt mon serveur là pour faire comme. Si t'en vas pas en véhicule de service, t'es avec le 608, je suis comme « Yeah! » Quand tu veux le texter, genre t'avais le 608, je suis comme « Yes! » Moi, c'est pour ça que je t'ai texté, là, j'ai fait comme « Yo, on a la 608 à soir! » Ah, va être une belle soirée! Yeah, man! J'ai vu à décoller... Non. Comme crampot back, une jambe cassée! Moi, j'aurai pas de mal de cou à soir. Moi aussi. Bon, il a shifté juste avant. Je m'en allais peser plus pour que le turbo y en marque. Là, comment il a juste shifté? Ah, t'as juste à l'étaper au plancher, je pense qu'elle va donner shifter. Ben ouais. C'est vrai que le fantasme. Non, vraiment. Pour certains chauffeurs, ça peut être une punition de donner ce boss-là vu qu'ils les aiment pas. Ouais, genre. Pour vrai, là. À part l'été quand il fait genre vraiment chaud. Ouais, c'est dans ce temps-ci de l'année, genre, je trouve ça parfait. Vraiment. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop frais. On est juste bien. On met juste un petit peu de chauffage, juste pour dire, on ouvre la porte. Pas la porte. Ouais. Tabarnak, la barre de neige, même! Allez voir, ça sent comment en arrière. Quoi? Il a shifté, je n'ai pas de shift. Ouais. Ouais. Chris, le turbo après celle-là en plus, ben Chris, il sonne bien en tabarouette.
Ouais. Il vient juste d'avoir 900 000. C'est minuscule quand on rentre dans l'autobus, tu sais. Hein? Le tracteur en avant. De quoi? Ça a été d'avoir un bloc de balle. Il y en a un après celle-là. C'est qu'on l'entend vraiment comme une boule. Ouais. Même à l'intérieur. Hey, plus on en parle, plus j'ai vraiment le goût d'aller lousser la trappe. C'est la pire personne de la soirée, ça te fait. La ferme comme du monde avant de débarquer. T'as-tu entendu des Scania V8? Non. Malade. Le son, ça, il est ouf. Je pense que c'est un de mes sons préférés. Ouais. Parce que à date, là, j'ai bien des sons nice, là, tu sais, comme le Détroit, tout. Oh, Chris, que les Détroits, ouais. Mais un Scania V8 diesel, là, de l'Europe, là. Ouais. Vraiment, là. C'est quelque chose. C'était 430 tonnes qui déplaçaient. Okay, la ville Il y avait trois tracteurs dessus même. C'était malade. Le son, même. Oh, oh. Ta gueule! Ça sonnait heavy duty en ligne. Le bloc sur le bois était nice. Fou!
Mais tu t'entendais le turbo tout le long. Là. Ouais. Genre, il y avait rien d'autre. Là. Genre, il roulait, puis là, t'entends. Ça faisait juste. Tout le long. Genre, vu que c'était vraiment lourd, là, le turbo, il a travaillé tout le long. Là, c'était tough. Là. Puis à un moment donné, il y en a un. Genre, le celui d'en avant, il a pété. Ouais. Fait qu'ils l'ont changé, puis ils en ont ramené un plus vieux pour en arrière. Oh! Ah, c'est que le son littéral! Là, j'étais là, sur un faire bander, hein? Ah, my god! C'est arrivé. Il y a vraiment quelque chose qui me débouche le cul, je regarde ici, là. C'est comme, comment ça fait que t'es encore dans ton emplacement, toi? Parce que personne qui a accès pour manger. Je l'ai. Je peux dire que dans les dernières semaines de Transdev, ben, j'en ai profité en tabarnak parce qu'elle nous crissait de tout. Puis de quasiment tout le monde. Je suis comme, ah ouais, vous en crissez. Oui, j'ouvre la trappe aussi pendant que la bosse s'y roule, quand même. Ah, ils sont aussi. Ouais, mais ils filent. Ouais. Tu sais, tu le sens qu'il est plus fort. Là, je le sais. Que je pense que ce moteur-là peut se rendre à. Je pense qu'il pouvait se rendre à 400 HP, ce moteur-là. Ah, c'est un moteur de truck. C'est vraiment un bloc de. Un moteur de truck. C'est ça qui était cool avec ces générations de LFS là, justement, ils mettaient des moteurs de truck puis faisaient juste configurer le CU pour pas que ça soit surpuissant. Ouais. Mais sinon, c'est pour ça que tu le files, genre qu'il y a du power, tu sais. Ah ouais, man, tantôt je fais le break, puis je donne du gaz, puis je suis. Attends, t'essaieras de faire un launch control à un moment donné. Quand j'ai parti, il n'y a pas fait noir. Ouais, c'était une autre affaire que j'aimais que c'est là. Là, genre, j'ai décollé un peu vite, puis je suis parti. Puis genre, il n'y a pas fait noir, il faisait des pop noirs. Ah ouais, c'est vraiment mes boss préférés. Sur toute la ligne. L'autre affaire que j'aime avec celui-là. La pote bien cloche, Asti. Là, mon trip, c'est quand je suis allé en bas chez Transcobec, puis j'en pognais un comme ça. J'ouvrais ma fenêtre, je te collissais le pied au plancher, mais si tu entendais le turbo, man, c'était un tabarnak, t'aurais pu te parker encore plus au milieu, si moi. Parce que quand il est pas parké, il attaque les autres autobus, c'est plus. Ah, ok. Non, c'est parce que des fois, il y en a qui se parkent là, puis ils restent pognés là.
vais aller filmer un peu en arrière. Pas pire, ça. Ça a-tu fait, ça blow off? De quoi? Ça blow off? Ça blow off vraiment quand le moteur il force, tu lâches le gaz. Ben là, tu on l'entend ça. Mais... Ces bosses-là sont faites pour avoir le pied au plancher. C'est con, je pense que ton truc est plein là. Si tu regardes, t'as recrissé tout à terre là. Hey, brise pas vite! C'est comme les nouveaux boss là, c'est... Ils sont dans le système automatique. Ouais. Je vais avoir un camion de Très bien. Ça va en Europe, il y a encore des boss manuels. Je pense que oui. Ouais, il y en a encore. Des flambants neufs en plus. Je veux pas être chauffeur de bus. Ouais, je trouve que le coach, s'ils sont pas regardables, c'est let. Ben c'est pas ça, c'est... C'est moins bien payé là-bas que ici. Non. Fait que c'est moins intéressant maintenant. Tu sais, genre, j'ai fait comme chauffeur de bus en Italie, ça coûte, c'est payé combien? Ils sont payés 30 000 piastres par année. Puis, je connais, juste, moi, genre, moi, je paye 50, genre, je fais. Tu sais, je donnerais pas 20 000 piastres par année, là. Mais je pense que c'est tout de... Ouais, je pense que c'est des euros en Italie. C'est possible. Si je me souviens bien, France, Espagne, Portugal, Allemagne. D'accord, là. Oui. Sauf qu'ils sont quand même en spécial 321 places. Mais
Désolé, je suis comme un peu dans mes projets vidéo. Là. C'est quoi? Alors là, j'ai fait, c'est en décembre, là, puis ça. Enfin, elle commence à faire un bout. Ouais, t'as toutes les. De quoi? T'as toutes les soirées vidéo, tu as fait des vidéos. Ouais, il y a ça aussi. C'est avant de faire, à commencer à faire du montage, si je me fais vraiment une base de données, parce que j'ai pas. C'est plusieurs vidéos, ce que je peux aller piger là-dedans, c'est aller découper des bouts que je veux, c'est plus... Puis... J'ai commencé à streamer. Ouais. Fait que sur mon Twitch, je vais t'attendre. Ouais, pourquoi pas. Avec ces boss là, justement voir le reflet dans l'un dans le windshield. Puis, c'est un jeu là, c'est un jeu genre horreur. Ouais. Avec la magie, des pouvoirs, des genre des créatures mystiques, tout ça. C'est ça que je suis en train de streamer là en ce moment. Ouais. Ouais, par contre, est-ce que j'ai hâte que l'hiver finisse? Ouais, ouais. C'est bien beau faire mes projets, mais je trouve ça pas mal moins inspirant quand tu vas plus au travail de la vite. Eh ben, je regarde pas le numéro, puis là, je retombe dans une autre époque, ici. Thank you.
Tabarnak, merde, l'ABS! Calic! Ah, moi j'entends bien le turbo! Ah, il y a dans un coup blowout! Tout!
J'ai mis ouvert la fenêtre en arrière, mais le turbo, mais il se propage, le son, c'est génial. Ouais, c'est hop. Je te laisse aller fumer. Ouais, j'ai entre-ouvert la trappe aussi. Ouais, hein? Voilà notre réponse. Ouais, on l'entend plus le moteur. Ainsi que le turbo. Ah, oh, t'inquiète pas. Thank you.
revenir en gare, on tombe 160. C'est que j'avais 3 semaines de vacances cette année. Okay. J'en ai pris juste deux. J'ai renayé la troisième. Et je suis vraiment sûr que je vais prendre toutes mes journées de congé cette année. De cette semaine. Je vais prendre peut-être 5 jours. En fait, en tout et partout, c'est dans mes 5 jours de GN, dans mes 5 événements de GN. Puis. J'ai pas gardé le podcast en revenant. Je te tiens pour un peu. Tu peux savoir une plaque pas invisible. En fait, je pense que c'est fou. Ouais. Ce sera pas là que la police va courir après. Puis, en fait, avec Facebook, genre les deux journées que j'ai eu de congé, ben, ça te donne une semaine. Ok. 7 jours. Fait que, tu sais, je suis comme, c'est quoi, quand même? Je vais me parler comme si j'avais pas en marche, je suis malade, je peux pas faire plus que ça. Tu sais, je suis comme, regarde, si tu veux, je peux l'essayer. Mais si je m'en mets dans l'autobus, ou j'ai un accident, c'est de ta faute. Ouais. Si moi, je m'en fous. Je vais venir conduire. Mais si je suis malade, que je me chie dessus, ou whatever it is, un incident qui va arriver, c'est parce que depuis que je suis là. Moi, je m'en fous, là, je vais rentrer, là, je vais encore conduire. Ben là, quoi? Regarde, c'est le même que tu me penses. C'est quoi? Si tu veux pas que je te parle de même, parle-moi pas de même. Ben, pas ta job, lâche-toi, tu vas. Non. Je sais pas si toi t'arrives à voir la différence à côté son. Un petit peu, parce que j'entends plus le son. Ouais. Mais sinon, on va le faire diamant. Ouais, c'est quand même un peu subtil. Ah, la 35-56, j'avais déjà réussi à la lousser plus que ça, puis à rester en place. Ben qu'on soit vide. Sinon, à PST, s'il n'y a pas personne, je vais te montrer de quoi ça a l'air en live. Pour vouloir jouer de la pédale. Thank you.
commençais à avoir à savoir genre que tu l'entendais mieux, tu sais, puis pouvoir la réajuster en fonction genre du son du turbo. À un moment donné, j'ai commencé à l'entendre vraiment clair. Ouais, parce que j'ai 3 quarts de seconde, puis après c'est parti. Ouais, parce qu'il avait ouvert quasiment complètement. Ok, c'est pour ça. Là, j'étais comme, man, le son, il est clair, là, j'étais là, oh, shit! Ben, je peux te le montrer, là. Fais juste lâcher un écrit s'il y a quelqu'un en arrêt. Ou quelque chose du genre. Et là, je l'entends bien. T'as-tu entendu le poutou? C'est cool. Vraiment. En plus, ça tient en bas. C'est une merde. Je vais me tenir loin pour être sûr que si je recule, il me marque. Ouais. Je fais un super rire. Ouais. Parce que s'il y a une neige dans la mer, il m'a peut-être des neiges pas de côté. Mais moi, avec le super rire, je tombe de tu l'entends-tu le blow-off? Ouais. Là, j'entends bien. Là, on est comblé. Je te l'avais dit que je pouvais, hein? Vraiment. C'est exactement l'effet que ça t'a fait que je voulais. Tu commences à jouer de la pédale. C'est en plein ce que je voulais. Ça va en propre gros là, tu vois bien. Ah bon avec. Là, je le ferai pas parce qu'il risque d'avoir des clients, mais tout à l'heure, je vais l'enlever complètement juste te montrer de quoi ça a l'air.
De quoi? Ouais, hein? Là, j'étais comme... C'était fucked up comme ça. Ça, ça, c'est un son que je m'attendrai jamais d'entendre. Pas vraiment. Puis d'ailleurs, il y en a des petits aussi, genre que peut-être que t'entends pas, mais ça fait tchou, quand tu dis tchou. Ouais. Mais tu sais, quand t'es loin, tu m'entends, on entend moins. Ouais. C'est un peu quelque chose que j'aimais des tantos aussi. Ouais. Puis t'es juste à côté du moteur, t'entends vraiment bien. Tu vois. Ouais. Dans chaque petit son du moteur, c'est là. Ouais. Ouais, là c'est sûr, on descend, il force pas trop. Je voulais juste dans le chef. Non, ok, après tu pèses plus longtemps sur moi. Ouais. Attends, mais qu'on aille curer la belle, c'est en zone de 60, je pense que ce soit écrit sur le plancher. Ah oui, vraiment. Est-ce que j'aime le son du tout? Genre juste ça, ça fait que ma journée est plus belle. Vraiment bon avec. Pour vrai, ça me manquait de faire ça, de voir les 30 inventaires d'un, ça me manquait. Genre juste d'avoir des sons qui sont beaux quand je conduis. C'est juste parfait. Puis d'avoir le contrôle dessus en plus, hein. C'est la dernière fois, faudrait-tu faire sur un pied sur le break? L'autre sur le gaz, tu le laisses booster puis tu lâches le gaz brutalement. Ouais, mais avec ce que j'ai fait tantôt, ouais. J'ai pas super grand vite là. J'ai pas envie de gaz pis tu sais ce que c'est tantôt. Ouais. Parce que tu sais, je me dis, c'est ma faute d'être malade. T'sais, ouais, c'est ça. Ça va être ma faute de casser. Puis j'enlève la trappe complètement, t'entends les valves, hey, t'entends tout, mais c'est vraiment génial. De quoi? Je l'ai bien entendu. Ouais. Oui. T'es en train de fourrer la transition aussi.
Mais comment qu'il me traite tout d'un coup, je comprends plus rien. Il me dit de shifter, dedans de shifter, de shifter, dans le shift Christ, qu'est-ce que je fais? Dans le shift ou je dans le shift? Tu fais les deux, tu shiftes dans le shift, pour mieux shifter. Périodiquement, pour entendre la flore. Ouais. Okay. Yeah! Ah, c'est vrai, on va monter des pentes? Ça va être beau! Peut-être que la transition va vouloir se rendre ou est-ce que normalement elle ne peut pas se rendre côté RPM? Peut-être que la transition, non, faut pas dire ça! C'est pas bon de dire ça! C'est à la fois qu'il n'y a plus de musique. Effectivement, c'est dans ce qu'on ne veut pas se rendre d'habitude dans le vide, dans la vue. Parce que vraiment pas. Chris, non. Je pense que ça signerait la reine mort du boss. Ouais. Un boss de 16 ans en plus. Ils vont parler comme si quand pense que tu veux, je pense que je parle d'ici. C'est pas vrai, là, ou quoi, j'en suis, là, j'en ai plein dans le foot. Là! On approche la maison, là, elle sera pas partout étonnée de ça, mais. Salut, ma veste! J'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien! Et non, j'ai pas pu résister. Bonne soirée, ma veste! En tout cas, la note est très belle. Très bien, belle. Après ça, le monde vient de me dire qu'est-ce que tu as avec les autobus? Ce qu'on entend derrière. Le son. Je la regarde, je dis si tu me le demandes, c'est parce que tu pourras pas comprendre. C'est en plein ça. Tu pourras pas comprendre que juste le son qui sort d'un exhaust. Ah, le son qui sort de cet exhaust. Le son qui sort de cet exhaust là, man, ça me fait vibrer, man. La vitesse, l'adrénaline. Le fait de coller dans le verre, ouais. Genre, tout ça réuni ensemble me donne une expérience tellement exaltante, je me sens tellement vivant quand je fais ça, que si tu ressens pas ça, tu pourras jamais comprendre. C'est en plein ça. Moi, quand j'entends le son d'un char, puis que le turbo il blow off, puis que genre, ou que. Moi j'aime ça des jeux quand c'est long aussi. Ouais. Fait. Tu sais, quand le turbo, il prend un temps à loader, genre. Ouais. Ça, je vais y aller, ça fonctionne pas. Tu sais, fait que c'est vraiment le.
Puis là, le chat, il part. Ouais. Là, tu colles dans le temps, puis... Je suis comme, si tu comprends pas ça, jamais tu pourras comprendre. C'est en plein ça. Le fait d'avoir un volant, la vitesse, le son, le tout ce qui est là-dedans, puis chaque fois que je décolle, puis que le son, il rentre avec le... Yes, on a de la chance. Ah ouais, Chris va son plancher. Mais là, l'autre à la main, elle a... Ah, fallait pas de shift. Ah! Juste avant, il a shifté, mais il l'a fait aussi. Il est pas frileux, lui. Ah ben salut! Maudit bonne main! Salut Chris! Salut Caro! Scène 1, prise 2. On a déménagé? Non, ma meilleure amie, c'est son chum présentement, son crétin. Ah ok. Ah shit, j'aurais pas dû dire ça, c'est filmé. Allez, faut que je recommence.
c'est elle? Ouais. Ah, cool. Très bon ça. Chez mon jeune, il venait le du Portugal. Ah ouais? Un peu jaloux. Wow. C'est la blonde à mon meilleur ami. Ouais. Elle a une de ses amies. Thank you.
Je commence à trouver que t'avais le pied plus léger que tout à l'heure. Ouais, parce que je veux qu'on s'entende. Oui, c'est pas ce que je me suis dit aussi. Ben, c'est pas trop pire. En arrière, ça fait assez de bruit à mon goût, mais en avant, c'est pas si pire. Là, si vous voulez, vous pouvez faire prendre ce siège-là. Hein? Ça va être plus confortable pour votre cou. Ça fait plaisir. Ils ont un nuage.
J'aurais quasiment pu les retenir. Excuse-moi, c'est parce qu'on est en retard. C'est pas grave. 32 secondes. Je vais prendre 2 secondes pour répondre. Ah, ok. Je pensais qu'elle aurait fait plus de tours. Hein? Je pensais qu'elle aurait fait plus de tours. Non, ça lâche, son chat. Ah, ok. Bon, elles vont pouvoir commencer à jouer de la musique! Ah, ça va être bon trait de quoi? Tabarnak, c'est sûr, c'est beau, c'est hein? De l'or! C'est de l'or! Je suis bandé! Charlie, ouais! C'est juste ça que je veux. C'est vraiment une œuvre d'or! Ouais, faut que ça travaille, hein?
Of course I like it. Oh, oh, you can hate that sound. Vraiment. Oh. Si je me rappelle bien, tu veux vraiment que ça fasse tout, 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 tout. Genre, tu sais, quand tu fais un arrêt complet, tu le crisses au plancher, mais avant que la transmission shift en deuxième, tu lâches le gaz quand tu es assez boosté. Ma mémoire était bonne. C'était parfait. Vraiment. C'est sûr que les décors sont chers. C'est pas même, j'ai dit ça plus que c'était. Chris, t'as son là, c'est une réchauffe. Moi, j'ai une petite pensée pour ceux qui sont dans les maisons qui arrêtent pas d'entendre vrrr, tout, 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 ah, en plus, ça, l'exhaust de ceux-là sont bruyants. En plus, ben, t'es dans, dans une maison, tu l'entends. Puis le bruit, c'est juste trop parfait. Le bruit dans tout ça, c'est qu'il y a une madame qui m'a dit qu'il y avait mis des mini parce que les gens, ils se plaignaient du bruit des autobus. Puis là, je suis là, puis ils marchent. Je suis comme, est-ce que je suis pas correct? C'est encore mieux! Fait juste chier que j'avais pas trouvé à twist avec les mini, c'est les rôles plus bruyants. Si personne un trou dans l'exhaust, test! Yeah, qu'est-ce que vous avez à chialer? Mais si, ça fait du bruit! Là. Vous voulez des mini parce que ça fait moins de bruit. Arrêtez de chialer, vous en avez un mini! J'ai dépassé mon quota d'enregistrement de vidéo pour asseoir. Je pensais faire moins que ça. Je dois être rendu à presque 2 heures maintenant. Ah ouais? Au total. Je pense que j'avais vidé ma mémoire de sel avant hier. Ouais. Là, c'est vraiment au décollage qui force le plus. C'est de mettre le véhicule en mouvement. Est-ce que j'aime ça aussi de l'entendre décélérer, là? Ah ben j'aime tout moi avec, vraiment tout. L'accélération, la décélération, les bruits, les changements, tout. C'est les gears, c'est tout, vraiment tout de A à Z. Genre ce que les gens comprennent pas, c'est que c'est un piece of engineering là. Vraiment. C'est tout un assemblage de petites pièces. Ah c'est ça, c'est... Fait tout un véhicule, genre. C'est vraiment cool, c'est... Qui est capable de transporter à fucking 200 km/h sur une crise d'autoroute. Puis même plus vite que ça, des fois. Je suis comme, tu comprends pas là, le piece of art that a car is. Ou ben donc, il est sur la route à journée longue, non-stop, quasiment 24h sur 24, c'est, puis ça brise pas, tu sais.
c'était un moyen d'affaire, j'aimerais qu'il le fasse, mais je pense pas qu'il va le faire. C'est que t'es la fan d'un radiateur qui se met dans le tapis. Ah, si, j'adore le son, là. Des fois, je mets ma main où est-ce que la trappe est entrouverte, puis je sens un peu la chaleur monter. C'est comme, oh yes! J'avais fait ça l'été passé, par contre, dans une canicule, et j'étais comme un tabarnak. Ok, je l'ouvre, mais je m'éloigne de là parce que ça va devenir un four à pizza. Chris, le chauffeur m'avait dit qu'il avait senti la chaleur à ce moteur jusqu'à l'avant. J'étais comme, je te crois, moi, je suis en train de cuire. Ah ouais? Ouais, j'avais pas checké l'huile. Mais moi, j'avais un son tout. J'ai décidé d'aller vite, de le monter dans les 5-6 000 tours. Hey boy! Pouf! Là, en fait, il a toffé un bout. Vu que j'ai donné de la merde tout le long, quand je suis arrivé chez nous, il s'est mis à claquer. Chris! Quand j'arrive chez nous, fuck. Mais moi, je suis bien, là. Bah, je suis bien, j'ai des petits courants d'air frais, là. Non, éteins là. Exactement pour ça que j'ai pas un char de surbo. Parce que ça me fait cher. Ah oui! Tu sais, j'ai pas acheté le Cayenne 2008. Non. J'ai trouvé un 2005 à vendre surbo. Ok. V8 bi-surbo. Oh, tabarnak! De 450 HP, man. Oh my god! Là, j'étais là, yo! Un 2005. Là, j'étais là. Des plans pour que je me lance avec des problèmes. 450 HP, c'est fort, là. Ouais. Puis si j'entends le surbo, genre, je mets un blow-up, tout dessus, c'est sûr que, genre, je mets pas une étiquette à tour de bras. Là, la pédale, elle va rester collée au plancher. Ah, oh, ouais, non, non, tabarnak. Genre, je veux juste faire blow-up tout le temps. Pis genre, je vais juste accélérer en malade, genre. C'est pas que je de gaz, là. Genre, avec le système d'échappement pis tout, là, je vais tout mettre, là, je vais encore lisse, là. Je pense que tu serais bien avec un diesel. J'ai du gros cash Ok, ouais, désolé. Le gars m'a regardé avec un gros sourire. C'est comme ça qu'on reconnaît des passionnés d'autobus sur le trottoir. Oh, oh, slow down. Juste pour toi, bro.
ça déchoute sur bord du monde qui s'en calisse. Littéralement. Ça me fait chier parce que mon boss il s'est acheté une putain de BMW X6. Ouah. Qu'est-ce que c'est? Tu veux quand le sexe de marque? Rester en panne. Pis lui il conduit vite là. Genre, tu sais, c'est le genre de gars qui pèse là. Non, ouais. Tu sais, fait que je suis comme, quand qu'à t'aurais pu acheter un diesel tabarnak. Des genres. Parce que l'X6, je pense qu'il se fait en version diesel. Fait que genre, ça aurait été fucking cool là. Il fait un crisse de beau son le diesel de ce camion là. Ouais. Genre, là, j'étais comme, man, ça aurait été fucking cool, man, on tabarnak. J'avoue que. Le moteur à essence fait un pas pareil, là, mais. Yes. Genre, c'est pas assez. C'est pas sûr. Pantoute, tu vois. Ben, à la poche, pas mal plus vendu diesel que gaz. Moi, j'en ai pas. Mais j'ai pas pratiquement égal pour moi. Ah, moi, j'ai vraiment eu faible sur le diesel. J'aime beaucoup le diesel pour le son du turbo, la décompression. Ouais. Genre le Jacob. Mais genre j'aime le son du moteur à essence pour le high rev. Ouais, il y a ça aussi. Pour genre l'agressivité du son. L'agressivité genre, de l'accélération aussi. Ouais, aussi, ouais. Mais genre encore là, c'est encore drôle parce que l'agressivité de l'accélération sur un diesel est là pareil. Ouais. C'est à cause du torque. Vraiment. Genre quand t'entends le turbo, tu le laisses embarquer justement, tu le launches. Tu peux aller voir, c'est ça. Là, l'accélération est hot là. Non, 154. Il est 154 puis il était même pas à fond. Je vais ralentir parce que je veux le voir. Ah, l'affaire dans le. 158. Latin. Ouais. 156, 158. On doit être pas loin des 25 PSI. Ouais, genre. Moi, j'aimerais ça le voir donner à genre 35. Tabarnak! Comment ça va être fou, hein? Juste de mettre une chip, genre, juste pour qu'il booste à 40 PSI, genre. Ah, ça serait génial. Puis on fait une accélération avec, puis on la redescend après. Oh, Chris, ouais. Comment ça va être fucking cool, là? Je suis comme. Bon, assieds-toi dans ton banc comme faut, là. On le décolle. Launch control! Wow, on launch, that's it. Non, ça va être malade, gros. Tu vois juste la différentielle exploser parce qu'il n'y a pas des conçus pour supporter ça. Ah, c'est-tu que ça serait drôle? Oh, fuck, le drill. Ah, fuck, j'ai chier le différentiel. De l'huile à différentiel, ça sent le tabac. Ouais, je sais. Genre, moi j'ai fait des souffleuses, ok? Ouais. Mais tu sais, dans ta souffleuse, genre t'as ton bucket. Ouais. Genre, tu la regardes de face, là. Genre t'as ton bucket, pis là t'as les spirales. Ouais. Pis dans le milieu, t'as genre un genre de différentiel. Ouais, un PTO, une chose genre. Ouais. Ben l'huile qu'il y a là-dedans, là. Est tellement dégueulasse là, que t'en as sur tes vêtements pis tes calices d'un poubelle, t'es rentre même pas chez toi. Chris, ouais. Je te le dis, c'est dégueulasse. Ça sent tellement fort là. Non. Oh man. Je te le dis, là, c'était tellement dégueu que j'ai mis des gants. Je mets pas de gants dans la vie, moi. Non. Oublie ça. Mais c'était dégueulasse. Bye.
été là, ça sort quoi dire son arrière. Chauffe pas assez le moteur. Des astuces de turbo miniature là, qui est là à chier, qui est juste là, c'est pour que ça coûte plus cher à entretenir et à réparer. Ouais, je pense qu'on va repartir le chauffage. Là. Et là, ça va être fret. Nos voitures Fisher-Price sont rendues plus grandes maintenant. J'ai vu un gars qui vendait un Civic 2001 et il avait peinturé comme une voiture Fisher-Price. Il avait mis des rouges. Il avait mis son toit avec les bords de soutien jaune. Comment ça va? C'est la machine qui a de la misère. C'est un peu comme mon cerveau des fois. Ouais, c'est ça. Analyse, je comprends pas. Et t'as pas mal, déjà, il me reste déjà juste 50 minutes d'enregistrement. Je suis allé remplir sur un temps rare. si je me montre ça de CSL pour vrai, là, genre la personne que j'amène pour le test drive, c'est toi. Pour vrai, Je vais venir te chercher, je vais être comme, yo, genre, si t'as ta cloche, je mets mon char sur le dyno, on va le mettre sur le dyno. Ouais. S'il explose pas, ouais. S'il explose pas, quand on va à la traque, t'es le premier à t'asseoir à côté de moi, pis laisser. Juste parce que tu tripes autant que moi. C'est ça. Parce que mes amis, ils trippent pas autant qu'eux autres. Genre, ils aiment ça, mais pas autant qu'eux autres. Ouais. On dirait que les passionnés de mécanique, ils commencent à se faire rare. Ah, ben oui, c'est vrai, il y a de plus en plus de véhicules électriques. Un véhicule électrique, ça va plus vite. Ah. Ça accélère plus vite, toi, mais t'as pas de fil de tout. Non, c'est ça, y a pas de plaisir, tu sais. D'être écrasé dans le bob et en plus d'entendre le moteur travailler, ça. Ben, tu peux coller dans le bob parce que il y en a qui sont vraiment forts, là, 600 HP électrique, c'est pour tout. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, tout ce que ça fait, c'est... Ah, c'est juste l'accélération, c'est... C'est tout. Je suis comme... Non. C'est pas le feeling que je veux avoir. Pas pour 80 000 piastres. C'est ça. J'aime monter le 246 sur faux, pis j'en mets plus de temps. Ça me coûte le même prix. C'est-à-dire très cher. Ouais. Juste trop cher pour rien, dans le fond, c'est juste la flopée du cash. C'est pour ça qu'on dirait que me louer un char, ça me fait chier. Ouais. Parce que je suis comme, je vais ouvrir mon cash. Mais tu savais qu'elle s'en allait dans ce bord-là. De même, je suis en train de filmer à travers la vitre là, je suis comme ben, caché parce que je sais qu'elle va aller là. Tu as changé avec ta gueule ou ça? Ouais. Même pas. Moi j'étais comme qui doit être en train de me suivre. Ouais.
genre juste à 3 approches la poste. Ouais. Ouais. Elle s'en va qu'elle est vraiment quasiment à la même place que chez nous. Je suis comme putain, elle est vraiment en train de me suivre. Parce qu'elle était débarquée en même temps. Je pense que la fille, elle aime le son. Allume tes lumières. Je prends le reste tout le temps. Et moi avec. Ah, si je me Genre, je peux aller à 300, mais 300 c'est borderline. Parce que pour vrai, les véhicules de service de la job sont 300 HP. Puis pour vrai, des fois, je pète des bulles. Genre, ça marche juste trop, là, c'est juste trop hot. Ben, il marche trop long, là. Mais tu sais, mettons, là, je le fais beaucoup, là. Quand je rentre sur l'autoroute, là, des fois, le train, il. Ah ouais? Ben, si c'est hot, man. Quand j'ai trop de plaisir à faire ça. Genre, je le fais pas quand mes collègues de travail ils sont là parce que je suis pas sûr. Genre, moi, mal, ça ne dérange pas. Mais, genre, là, elle a pas de calmer, là. Mais là, après, j'ai dit, regarde, c'est. Je sais que la dernière fois que j'ai fait ça, je ne prends pas ça tout le temps. Je vais me calmer, je vais prendre ça calmement. C'est là, c'est juste une petite bulle qui a pété. Mais d'habitude, je ne roule pas comme ça. Je vais me calmer. Et tu sais, là, je me suis calmé. Peut-être que okay, c'est correct. Ouais. Tu sais, je t'ai rendu à genre quasiment 130. Genre, je suis rentré tellement vite que le char en avant, je l'ai collé dans le cul direct. Genre. Oh, je te le dis, là, je suis rentré sur l'autoroute, je voulais 120 des coups. Genre, ça a clenché, le 300 HP, c'est quand même fort, là. J'ai expérimenté 400 HP d'un pick-up, c'est pas assez. Ah ouais. D'un pick-up, vu que c'est plus gros et plus lourd. Ah, c'est sûr. 400 HP, c'est le fun. C'est vraiment, pour vrai, c'est vraiment le fun d'un pick-up. Mais, je trouve que ça manque un petit peu de cœur. Moi, là, pour vrai, là, c'est pour ça que je disais qu'un diesel à peu près 600 HP, ça serait parfait. Ouais. Un beau sweet spot, c'est puissant, ça start, ça va vite. Genre, t'as tout. Genre. Puis en plus, t'es pour être pogné dans la boîte ou quelque chose en même, t'as tiré quelque chose de l'eau, ben t'es capable de le tirer. Ouais. Tu sais, t'as 20 dans la masse de HP. Tu sais, t'as 600 HP, mais t'as genre 800 livres de torque. Thank you.
Ouais. Ça serait qu'il y a un two-step aussi dessus. Ouais. Genre un anti-lag, là, tout en vrai. Ça arrive pas. Non, malheureusement. Là, vous avez manqué une occasion, Nova Bus. Je sais bien que le frein il est solide dans ta barre, mais faut-tu être capable de, de survivre à 2000 HP? Et ta barouette, ouais. Je pense que ça verrait de tout aussi. Ça va? Mon col. Ouais, ça commencerait par faire être sourd. Puis il y a un coup que ça serait assez chaud, puis que la gomme, elle serait assez fondue. Là. Ouais. Là, ça collerait. Fait que si tout est capable de supporter le vent, il lève. Puis là, on fait. Ça, c'était mon col. Un autre petit goût. Ouais. Non, de toute façon, elle l'aura pas faite aussi. Aussi marqué, ouais. Que quand tu vraiment tu te décolles puis tu le lâches. Là. Tu peux le faire arrêter le pied sur le break, tu le laisses booster puis tu lâches la gaz. Personne n'avait posé de questions.
Ça se peut-tu que t'as essayé de faire un launch control tout à l'heure? Ouais. Ah. Mais je peux plus le faire parce que la police est en besoin. Ah, qu'est-ce que tu sais, que du turbo, là, t'as pas tant que ça. C'est pour ça que je me suis mis en mode tranquille parce que la police me suit. Non, c'est-tu de salope. J'ai fait un son de turbo devant elle. Ah, oh, ben là, c'est... Faudrait vraiment qu'elle aille pas de vie coller un autobus parce que c'est le son qu'ils ont toujours fait d'ailleurs. Ouais. C'est ça, je suis c'est la police. Ouais. Je suis sûr que c'est elle. Là, elle va être déçue. Je sais pas. Parce que j'avais planté la. Ouais, juste en patrouille, ça m'étonnerait bien gros. Le mot des caves est peut-être plus ce point-là. Ben, dans le fond, je m'en calais ce qui est arrivé au monde. Ouais, c'est ça. Est-ce que si Pocket décide de plus jamais remettre ces deux ces boss-là sur la 60, on va savoir à cause de qui? Ben en réalité, ça attaque à cause de nous deux. Ouais. J'étais comme un peu influencé. D'abord, ils vont dire que j'étais facilement influençable. C'est ça, c'est quelque chose que j'aime dans ma vie. Tu peux entendre le son, c'est un buzzer de ton père. Je pense qu'il est en train de la retourner au garage. Ah, ça se peut. Ah, peut-être un changement de shift à cette heure-là. Parce que je suis encore. Ah, sûrement un changement de shift. C'est ça, je me disais. La police, elle suivait le... Ben, il serait en train de genre shifter pour ceux de nuit. Non, ce serait logique. On va le savoir. On va savoir si c'est le cops. Floride! Moi, ouais, c'était le cops. C'est ça, je pense. Ouais. Alors, je savais qu'elle avait fait un peu. Est-ce que ça m'a fait rire la cliente qui est allée s'asseoir en arrière, elle a pas posé de questions à rien, elle m'a pas regardé en arrière, et c'est vrai, on s'est tombé bruyant. C'est comme si de rien n'était. Les clients, ils savent que certains autobus sont beaucoup plus bruyants que d'autres. Ouais, yes. À ce point-là, probablement pas. Mais ils savent qu'il y a des autobus beaucoup plus bruyants que d'autres. Fait que, ouais. À moi, ils se posent pas trop de questions. Ils sont juste comme, quand cet autobus-là, il est bruyant, c'est ça. Ouais, ouais. Comme ça, l'endurer, la temps qu'il retourne chez nous. Genre. De toute façon, on peut pas faire autrement. Ben, nous autres, on choisit ça. Ouais. C'est ça qui est chiant. Ouais, des fois, moi. Quoi qu'à... Dans les derniers tas de Transdev, le laveur, il me laissait choisir les boss que je voulais que le chauffeur. Je payais tout le temps ces vieux boss-là. Toujours ceux-là. T'aimerais pas savoir un boss plus récent? Non, je veux rien savoir. Est-ce que bref. Je pense que c'est sûr que
Puis la trappe ouverte, tu sais, ça n'a pas d'impact sur le son extérieur. T'sais. Non, c'est ça, c'est comme. Mais tu sais, quand t'es à l'extérieur, il sonne déjà. Je sais, il sonne bien. Beaucoup, là, il sonne vraiment beau. Tu sais, je vais être comme. Mais tu le sais. Genre, ouais, c'est ça. C'est comme. C'est ton autobus, Chris. Ah, mais tu peux. Je peux pas faire grand chose. Tu sais, comme. Ben, slacker sur le dos, comme. Ça serait drôle que tu roules pas vite, le check engine. Piiiip! Roule plus vite! Est-ce que ça serait drôle? Je roule pas vite, il brise. Ouais, c'est ça! Tu l'as brisé, je l'ai pas brisé, je roulais pas vite, tabarnak! Je sais pas ce que tu m'as demandé! C'était pas content de ce que t'as dit. Ouais, c'est ça. Juste pas aimer ça que je en train de se décasser. Ouais. Oups. Je sais! Je peux pas! C'est juste trop fort! C'est plus fort que moi! Je sais! Quand j'étais à ta place, assis chez le Transcomic, c'était plus fort de moi, il fallait que je le crisse au plancher! Même dans la salle de lavage! Chris, c'était mon trip dans la salle de lavage! Si je décollais ça, il fallait l'avancer pour aller prober et faire l'intérieur! Oui! Je décollais ça! En plein, c'est ça ce que je faisais. J'ouvrais ma fenêtre, j'entendais le blow-off, ça serait répercuté sur les murs, puis là, revenir en bas, je suis comme ah! Faudrait que je pas des clients. On se plaint! Elle était mal fermée dès le départ, Non, mais tu sais, ouais. C'est comme au pire, justement, elle était mal fermée dès le départ. Avec les bosses assez loussées. Je suis un amateur de char, puis là, j'avais mis son tout, puis. Tu sais, je l'ai fait un peu de fois. Ouais. Je penserais pas que tu vas avoir des comebacks là-dessus. Je penserais pas, moi. Parce que j'ai fait des trucs bien pires comme ça. À un moment donné, pour vrai, j'aurais pu avoir une salle blanche. Ah ouais? Ah ouais, là. J'ai passé à une Mercedes et un Zero, genre fucking tight. Genre, c'était pas legit par tout ce que j'ai fait, là. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. T'as pogné une bulle. Fuck him! C'était vraiment con de ma part, j'aurais pu vraiment mettre des plans en danger. Ouais. C'était vraiment stupide. Je l'ai fait pareil. Hey, le gars du Zero, c'est clair qu'il m'a pas investi. Sérieux, c'est sûr qu'il est craqué. Hey, t'as, apparemment, je vais être rendu à presque 3 heures et quelques d'enregistrement. Hey, on va être fun demain à regarder ça, c'est-tu.
beauté de la chose, c'est que la trappe de moteur ouverte, c'est qu'on a quasiment pas entendu la soirée avec les prochains arrêts. Police! C'est ça, enfin là, y'a rien à cette heure-là, tu sais. Un autre 30 minutes d'enregistrement. Ha ha ha.
ça. Avec des petits jeunes de 17 ans que je connais. Ouais. Calice de tabac. Est-ce que je ressens? Puis ça ira pas à sa million. Non, vraiment pas. Que ça fait déjà 10 heures. Shit. En plus, cet été, j'étais supposé avoir des retrouvailles. Là. Ouais. Et là, j'ai comme fuck. Là. Moi, je m'en fous. C'est-tu le niaisage? Moi, du monde que je ne veux pas le voir. Là. No fucking. Parfait. Moi, que je ne veux pas le voir, mais que je m'en parle. Ouais, c'est ça. Non, ça changera pas vraiment grand-chose. Ça se pourrait que oui, mais ça me surprendrait bien. La personne que je veux voir, je la verrai probablement plus jamais, justement. Ouais. Ouais. Parce que, genre, dans un autre pays du monde. Ah, ok. Mais c'est, dans le fond, c'est la madame que j'ai vue au début du COVID. Son numéro de téléphone que j'ai carrément perdu. Shit. Et qu'en ce moment je regrette un peu parce que j'aurais aimé ça pour y aller dans ce cas. Hi, il me reste quasiment juste 10 minutes d'enregistrement. Ben ouais, je vais utiliser ces dernières 10 minutes avec le menton.
pas bien fini. Le gars, il a glissé un coup de pelle dans la tête. Ouch! Fait que la pelle a rentré. Ouch! Ha! C'était quoi ce son-là? Son d'un 4 cylindres. Depuis quand qu'on entend un son à l'extérieur? Un son 4 cylindres, limite straight pipe. Non, ça sonnerait plus fort que ce son. Ah, oui, c'est vrai. Tabarnak, le gros mix. Je pensais qu'elle allait passer ça. J'ai prévu un plan B pour ce que je voulais faire aussi en débarquant. Ah ouais. Un deuxième téléphone. Pouvoir enregistrer quatre petites écoles. Tu sais, techniquement, je suis le seul véhicule qui a le droit de s'arrêter en plein milieu de la cause. Ouais. Il y a du monde qui socle trois de croix-là. Je suis correct, vous êtes sérieux. Là, là. Ouais, bonne soirée, fais attention à toi. Merci, toi aussi. À demain. À demain.